est dans la cabane hurlante. N'est-ce pas, Harry? Viens. Le chien, où est-il? Harry, c'est un piège. Le chien, c'est lui, c'est un animagus. Si vous voulez tuer Harry, il faudra nous tuer aussi. Non, une seule personne mourra cette nuit. Ce sera vous. Tu as l'intention de me tuer, Harry. Expelliarmus! Tiens, tiens, Sirius. On est dans un piteux état, n'est-ce pas? Ton corps a fini par refléter la folie qui se cache en toi. Tu connais ça, toi, la folie qui se cache en quelqu'un, n'est-ce pas, Remus? Je sais. D'ici. Je comprends, Sirius. Tuons-le. Non! J'avais confiance en vous. Et en fait, vous... vous étiez son ami. C'est un loup-garou. C'est pour ça qu'il a manqué certains cours. Depuis quand le savez-vous? Depuis le cours du professeur Rogue. Félicitations, Hermione. Je n'avais jamais vu une sorcière de votre âge aussi intelligente que vous. Assez parlé. Remus, allons-y. Tuons-le. Attends. J'ai suffisamment attendu. Tous à enfermer! Azkaban! Très bien. Tue-le. Mais attends. Encore une minute. Harry a le droit de savoir pourquoi. Je sais pourquoi! Vous avez trahi mes parents! Ils sont morts à cause de vous! Non, Harry, ce n'était pas lui. Quelqu'un a trahi vos parents, c'est vrai. Mais ce quelqu'un dont il s'agit, il y a encore quelques heures, je pensais qu'il était mort. Alors qui est-ce? Peter, petit gros. Et il est dans cette pièce, en ce moment! Sors vite, Peter! Sors vite, jouer! Spiritus! Quelle douce vengeance. J'espérais tellement être celui qui t'attraperait. C'est vrai. J'ai dit à Dumbledore que tu avais aidé ton vieil ami à s'introduire dans le château. En voici la preuve. Bravo, Rogue. Tu as encore misé sur ton esprit subtil et pénétrant. Et comme toujours, tu n'es pas arrivé à la bonne conclusion. Maintenant, tu vas nous excuser. Remus et moi avons une tâche importante à terminer. Donne-moi une raison de le faire. J'en meurs d'envie. Severus, ne sois pas idiot. On ne peut pas s'en empêcher. Sirius, tais-toi. Tais-toi toi-même, Remus. Arrêtez-vous de vous chamailler comme un vieux couple. Pourquoi tu ne vas pas faire joujou avec ta panoplie du parfait chimiste? Je le ferai volontiers, tu sais. Mais pourquoi refuser ça aux détraqueurs? Ils ont tellement hâte de te voir. C'est un tressaillement de peur que j'ai vu. Oh oui, le baiser du détraqueur. On ne peut qu'imaginer ce que ça représente de le subir. C'est un spectacle insupportable, m'a-t-on dit. Mais j'essaierai de le supporter. Severus, s'il te plaît. Après toi. Expelliarmus! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu as agressé un professeur! Parlez-moi de Peter Pettigrew! Il était à l'école avec nous, nous pensions qu'il était notre ami. Non! Pettigrew est mort! Vous l'avez tué! Oh oui, je le croyais aussi avant que vous ne me disiez avoir vu Pettigrew sur la carte! Alors la carte mentait! La carte ne ment jamais! Pettigrew est vivant! Il est là devant toi! Moi? Il est malade? Non, pas toi! Ton rat! Croutard est dans ma famille depuis... 12 ans! C'est une vie étonnamment longue pour un rat des champs. Il lui manque un doigt, une patte, n'est-ce pas? Et alors? Tout ce qu'on a retrouvé de Pettigrew, c'est un... Un doigt? Ce sale lâche s'est découpé pour que tout le monde le croie mort! Après quoi, il s'est transformé en rat. Amenez-le! Donne-le-lui, Ron! Mais qu'est-ce que vous allez lui faire? Oh, Croutard! Mais laissez-le tranquille!